صراحة أنا وأعتقد الجميع متفاجئ بموقفكم مع اليمن وضد السعودية صراحة، يعني موقفكم وما تعملونه من أجل منع بيع السلاح إلى السعودية أنا متفاجئ صراحة، لكن أنا جد الأثر الذي في الواقع إطلاقا فقط لا يتعدى الكلام. أيضا نريد فقط أن كلمة بسيطة أنه بلدانكم التي تحمي حقوق الحيوان تبيع الأسلحة لبلدان تقتل الإنسان في بلد آخر، فلا أظن أن في ذلك عيب أن تحمي الحيوانات وفي نفس الوقت تعطون السلاح لناس يقتلون الإنسان. والنفط هناك بلدان كبيرة وكثيرة تستطيع أن تعطيكم النفط بدلا عن السعودية، المملكة العربية السعودية، هناك العراق، إيران، وليبيا هي مفتوحة I totally agree that we do not need the oil from Saudi Arabia and also from the Green Party. And I would like to get rid of all of the fossil fuels, all of them, really. But I think that when in the second report, also we also say it's not only Saudi Arabia. We talk about an embargo against all countries that are behaving in the way Saudi Arabia is. Thank you very much, Ali Kamaluddin Diwan, Strategical Institute for Development. Thank you very much. I know about that Sweden, very, very, very active in that way of working against all the wars in the world. But you know also when you cannot, you don't buy, sell weapons to this country or that country, you know there is a lot of alternative ways they can buy the weapons from the black market. It will be just expensive than the normal price that we know it always. And I think also today Belgium have sold weapons to Saudi Arabia. I'm not against that or this or this or this, but we are now together today. We just want to shake our hands together against all the violence in Yemen. And when we see our country Yemen suffering because of Sunni, Shia, because of the conflict between Saudi Arabia and Iran, perhaps there is no conflict, but we see now there is a conflict. They are trying to solve that conflict in Yemen. We would like to see our people in Yemen live in safety. Thank you very much. I know that others also are selling arms, but we have our rules and we have to abide or comply with our own rules, really. And I think that the European Union's role in this would be to work more on the diplomacy and to work for a peaceful solution, dialogue and so on. Big influence in the region. Everybody knows it. And they want to play their right rule in that region of the world, they can do it. Yeah. We know everybody of our people here in this cell know that. We ask everybody to find a real solution, because the war are transferred from all the countries. Begin in Iraq, transfer to Libya, Algeria, to Yemen, to Sudan. We just want to stop. I would like to see no war in our countries. I totally agree with you, and I think that if we stop selling arms or sending arms to the countries where we also want to play a role on mediation and diplomacy, then we have gained a lot. Thank you very much. In fact, in 2014, the National Center for Human Rights, we organized a very important conference in process here. It's about the peace, you know, before the war, before the, you know. And we invited all sides, Houthis, representatives of the former President Saleh, and also Muslims, Brotherhood, Islam Party, and other parties. They in fact, participated in this issue. That would be good.
Houthis agreed with us before storming Sana'a in September, because we started the organizing that in June. So in September they stormed Sana'a and they refused to come. So one of them, his name Ali Al-Bukhaiti, he's very well known now in Jordan, attended by his name. And it was a very good conference, and you can go to the internet and look to the National Reconciliation in Yemen, Prosser's Declaration on National Reconciliation in Yemen. So you have to look for this. It was a very important dialogue. And if you can, through this meeting, to call Houthis, and I believe that the people who run the former President Saleh could accept something like this. And if you can, and even Mr. Raspin and his organization, they are very close to the people in Yemen, I mean Houthis, and then if they call them to continue dialogue beside the other official, what you call the official envoy, I mean envoy, UN envoy, Wali Sheikh. Okay, so no need for this, all of these more official meetings. We need something civil meeting. So if you can do that, we can work on this and helping you with that issue. This could be a good solution to deal peacefully and more, you know, practical activity to talk about peace in Yemen. So another dialogue, civil dialogue, work together, as my friend said, shaking hands. That's okay. No, we need to work together and peace in Yemen. That's it. Thank you. S'il y a d'autres questions, on va regrouper la réponse, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas le temps, nous avons d'autres. Allez-y. Merci. Sadiq Ansar, de l'association Salam pour Yémen. Salam pour Yémen. Vous avez bien parlé, tout le monde, des dégâts catastrophiques dus à la guerre. Mais nous avons oublié quelque chose qui fait trois fois plus des victimes que la guerre directe, que les bombardements, c'est que l'embargo terrestre, maritime, aérien, qui fait beaucoup plus de dégâts. Nous parlons aujourd'hui de 19 millions de personnes qui ont besoin urgent d'aide humanitaire. Nous parlons aujourd'hui de 63 000 enfants qui sont morts à cause des malnutritions. On parle aujourd'hui des 500 000 qui sont touchés par l'épidémie de choléra. Donc, de quel droit joue l'Arabie Saoudite pour imposer un embargo strict sur le Yémen et qui empêche aussi l'acheminement des nourritures et aussi de l'aide humanitaire, mais aussi le médicament? Aujourd'hui, tous les aéroports sont fermés. Et pourquoi on laisse faire? Bon, je vous remercie, vous avez fait plein de choses pour empêcher l'acheminement d'armement à l'Arabie Saoudite. Mais pourquoi on laisse faire la plus grande catastrophe humanitaire due ou à cause de l'homme? Et l'homme, c'est qui? C'est la coalition gardée par l'Arabie Saoudite. Je vous remercie. Merci bien. Donc, plusieurs reprises, vous avez évoqué que Proche-Orient, la politique européenne, il est absent au Proche-Orient. Et vous savez que depuis la Première Guerre mondiale, ainsi la suite, Deuxième Guerre mondiale, les Européens, ils suivent toujours la politique États-Unis. Et à chaque fois que l'Europe, il voulait essayer de faire quelque chose dans le monde, ils sont empêchés par les États-Unis. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, est-ce que vous, aujourd'hui on est le 18 octobre 2017, est-ce que vous pouvez prendre une décision, soit passer un message que l'empire des États-Unis est fini? États-Unis, aujourd'hui, il est le premier pays endetté dans le monde. Demandez les économistes européens. L'Europe, c'est un pays que toujours c'était une maison pour accueillir les intellectuels dans le monde entier. Et l'image des États-Unis aujourd'hui, c'est la vitrine des États-Unis aujourd'hui. Depuis un an, vous êtes témoin. Comment l'Europe,
il se permet, suivi un pays que vous êtes depuis un an témoin à leur président, sa langage, ses paroles, ses mots envers de toute l'humanité du monde. Pourquoi vous voulez arriver à un point qu'il sera trop tard? Essayons de laisser les États-Unis isolés dans son coin et la politique de l'Europe. Pourquoi? Parce que les Européens, ils connaissent bien les mentalités proche-orientales. Ils connaissent leur culture, leur mentalité. Si un jour vous décidez vraiment tout seul faire une politique, Yémen, soit les autres pays, l'Irak, Libye, tout, une nuit, une journée, ça sera leur problème, ça sera résolu par la politique européenne. Merci. Merci. Voilà. Moi, les deux avocats de Belgique, je suis membre du comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie et dans le monde. Je souhaite poser deux ou trois questions. La première, on s'est posé des questions sur le droit international. Il a démissionné, il est terminé. Et d'ailleurs, avec ce qu'il a fait, il est moralement et politiquement terminé. Il faut voir l'avenir. On est arrivé jusqu'à au Comité international des droits de l'homme, rehausser l'Arabie Saoudite pour présider ce comité. On est allé jusqu'à là, de cynisme extraordinaire, et cela avec l'appui de pas mal de gouvernements démocratiques, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. La vente des armes. Donc, est-ce que vous croyez que le droit international permet à un État d'intervenir militairement dans un autre État alors que cet État-là n'est pas agressé par une puissance extérieure? Il s'agit, comme vous l'avez bien dit, Monsieur le Président, d'un conflit interne. Deuxième, la vente des armes. Je salue vraiment l'effort de Madame ici présent, et l'effort de la Commission concernant justement la vente des armes au sein de l'Union, du Parlement européen. Et je crois que ça a commencé à donner des fruits, par exemple. Moi, je viens de Belgique, et je sais, par exemple, que la région flamande a arrêté les ventes des armes vis-à-vis... c'est pour dire que ça peut donner des effets. Continuer, c'est très important. Il ne faut pas lâcher. Enfin, et je reviens effectivement sur l'embargo, il est faux de dire qu'il y a seulement la coalition est faite par l'Arabie Saoudite et quelques pays, d'autres pays arabes. Sans la présence des États-Unis, sans la présence de la France, sans la présence de la Grande-Bretagne, cet embargo est impossible sur le Yémen. Est impossible. L'Arabie Saoudite n'est pas capable d'imposer cet embargo. C'est seulement avec l'aide réelle, c'est-à-dire que ce n'est pas théorique, réelle, sur le plan, sur tous les plans, que cet embargo est effectif. C'est pourquoi je dis que c'est une agression, ce n'est pas de l'Arabie Saoudite seulement, mais l'Arabie Saoudite est trois pays occidentaux, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Merci. Merci bien. Vous avez 2 minutes de réponse. Thank you very much. 2 minutes. Yes, about the humanitarian catastrophe. I was asked to talk about the weapons, so that's why I didn't talk about that one. Because it's really the situation, and according to the UN, it's the worst situation in the whole world. And the problem is that we don't talk about it. We don't write about it either. But it's... we don't write about it in the newspapers. It's nearly impossible to see something in the Swedish newspapers and in many other countries also, even though we know what's happening. And that is also because there are so many interests. The US, France,
Germany, Britain, and so on. There are so many interests, and Saudi Arabia is the good friend of the US, and we are the good friends of the US. Yes, but now, of course, as somebody also said about Trump, of course the European Union sees what's going on, but what we also see is that, okay, Trump, he's doing his things, but on the ground it hasn't changed so much. So the authorities, the American authorities, they're working more or less in the same way as they did before, and just hoping that Trump doesn't say any stupidity. So that's why I think but the European Union, we have our ears very open, and we look very carefully on what's happening in the US. And we also talk very much more about how shall we deal with our security, maybe without the US in the future. So there is some changes going on, but for the moment we have still that very close relation to the US. We talk also on the situation on why with the resolutions and the UN and so on. And we have also the responsibility to protect, and it's about to protect humans in reality. But we have only used it once, and that was in Libya. And it became a catastrophe finally also. So it's very difficult with the UN and how to deal with it. That's why we propose that the EU has this embargo, because we have the UN embargoes and we have our own embargoes. So we can do what we can do here, and we have to try to do that to start with, and we cannot wait for the UN to agree on something, because we know all how difficult that is. And I think that was 2 minutes and maybe more. Yes,